Et salut à tous, c'est Nemco et bon retour sur Spirit of the Island. Cette fois, on s'est à nouveau pas trompé, c'est très bien. On se retrouve après donc mon petit aller-retour de la caverne jusqu'ici pour déposer donc tous les minerais qu'on avait récoltés. On a récolté le miel aussi, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et ça se vend à combien? Il est où? 200$ l'unité, d'accord. Donc c'est pas aussi abusé que ce que je pensais, ce que j'avais cru lire, mais c'est déjà pas mal. Tout ça, ça me sert à rien. Je vais aller voir en cuisine peut-être si ça peut servir à quelque chose de plus. On a récupéré notre poussière d'os. Et c'était quoi que je voulais faire déjà qui me demandait de la poussière et que je vous ai dit que je pouvais pas parce que j'en avais pas. Des engrais, très bien, ça juste me demandait des déchets, des morceaux de ruche. Je peux en faire avec du miel pour faire plus de ruches. Pourquoi pas? Ça non. Ah, c'était les diamants et tout. Donc c'est la poussière de fantôme. Mais par contre, aucun fantôme m'en donne. Donc je sais pas. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Les vaches, les poules, tout ça, ça survit très bien. Ok. Donc aucun des villageois, enfin des visiteurs n'a acheté quelque chose. Peut-être là-dedans. Le miel, le miel, le miel, le miel. Dans les gâteaux, ça doit être quelque chose comme ça. Ah, dans les crêpes, jardelée, farine, bois brûlé. Ouais, mais c'est niveau 4. Ça aussi, c'est niveau 4 dans les gaufres. Ah, tu vas me dire que tout ce qu'il utilise, c'est du niveau 4? Bon, et ben, on va se concentrer sur nos bouteilles d'eau. C'est au final ce qu'on avait dit. L'huile, je peux la poser aussi. Et on va s'occuper à faire de l'huile. Je vois pas d'autre solution, en fait, pour pouvoir se faire de l'argent. Enfin, des niveaux assez rapidement. Et, mais le souci, c'est que bah, ça prend un peu trop de temps. Avoir toutes ces bouteilles vides. Mais ce n'est pas grave. N'est qu'un détail. J'ai pas des pommes ici. Si j'ai des pommes, ça tombe bien. J'en ai assez qui sont en train de pourrir. Donc je peux me concentrer sur elles. Je suis ravi parce que vous êtes encore beaucoup à aimer ce jeu. Et je... Moi aussi. Donc ça tombe bien. On est plein. Ça continue à vous plaire, donc on va continuer à y jouer. Il me faut mes feuilles médicales et du bois brûlé. Ah, j'ai plus de bois. Si j'ai plus de bois, c'est peut-être pour ça que j'ai pas pu en poser plus, oui, parce que... Non, j'ai plus de lingots. Et du bois brûlé. Ah, j'ai posé toutes mes... J'ai jeté mes bûches. Mais qu'est-ce qu'il est bête? Qu'est-ce qu'il est bête? Il a acheté toutes ses bûches. On va voir tout ce que je peux poser encore là-dedans. Je peux plus rien poser. Il me faudra plus de coffres. Bah en attendant, on va poser à nouveau pas grand chose parce qu'il n'y a plus de place. On va y couper les arbres. Je pense que je vais finir par couper mes arbres fruitiers s'ils me rapportent toujours rien. Je sais pas ce qu'il leur faut, hein. C'est pas implanté dans le jeu, peut-être les arbres fruitiers? Le fer, il y en a pour un petit bout de temps avant qu'il ait fini de pousser. Les arbres là, ils ont pas encore repoussé. Mes fruits. Ils n'ont toujours pas fini de pousser non plus, je suis étonné. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'ils sont en attente. Ça me fait des pommes en plus, c'est bien pour la bouffe. J'ai hâte qu'on puisse peut-être envoyer les... les futurs esclaves pour couper du bois. À notre place. Que franchement, c'est une tâche qui, on va dire, est pas indispensable à faire manuellement, qui est assez fatigante quand même. Regardez, hein, là j'ai déjà perdu toute ma barre d'endurance. Ça pourrait être automatisé. Après, c'est vrai que par contre, j'imagine les gens qui s'occupent beaucoup du social dans ce jeu. Qui essaye de faire toutes les quêtes en même temps des villageois, entretenir leur ferme, machin. Je vous respecte, hein. Je sais pas comment vous faites. Bon, en même temps, peut-être que si j'arrêtais de me perdre partout, ça serait mieux. Mais c'est vrai que c'est galère. Regardez, j'ai déjà plus d'énergie. Donc je vais aller dormir un petit peu. Bon, je pourrais boire du café, on est d'accord. Mais c'est pareil, le café, faut le temps qu'il pousse. S'il pousse pas, t'as pas de café. D'ailleurs, j'ai du café de planter. Là, c'est quoi? C'est des fraises. J'ai pas de café de planter. Oh, la catastrophe.
Peut-être pour ça que j'en... Ah, j'ai peut-être plus de graines de café aussi. C'est possible. J'ai des graines. Si, j'ai deux graines de... J'ai quoi faire deux graines de café. Ça suffit, non? oui, je vais aller dormir parce que sinon t'accepteras pas de faire grand-chose. Je vais pouvoir poser mes pommes, si tu veux bien. Hop, petite sieste de 2 heures, ça nous a permis de récupérer un petit peu de vie. Les pommes, les pommes, les pommes. Hop, toutes posées. Donc, qu'est-ce qu'il faut déjà pour faire des antidotes? Il me faut des bouteilles d'eau. Est-ce que je récupère la bouteille d'eau après utilisation? Ça qui m'intéresse, parce que si je récupère pas la bouteille d'eau, ça va être un carnage inutile. Ça, j'en ai pour 8 ans le temps qu'il me fasse tous mes trucs en bois. Ça, pareil, ça va attendre un petit peu. D'accord, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça, ça pousse tranquillement. On avait dit qu'on allait refaire notre vélo, donc les lingots de fer, les paquets de vis et le Chatterton. Donc, tout ça, je reprends. Ça, je reprends. Ça, je reprends. Et ça devait être ici. Les clous, on reprend. Les morceaux de ruche, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça, ça a vraiment du mal à mourir. Ça me contrarie beaucoup parce que je laisse pour qu'il meure et il veut pas. Mes poules sont très heureuses. Par contre, je sais pas si les poules et les vaches, elles meurent au bout d'un moment. Et j'ai pas trop hâte de le savoir, je dois l'avouer. Allez, on vient à la traite, s'il vous plaît, mesdames. Voilà, merci pour le lait. Et bonne journée à vos mamelles. Ah, je suis bientôt... Ouh, je suis bientôt niveau supérieur. Donc je vais pouvoir faire les trucs de bouffe que je ne pouvais pas faire juste avant. Jarre de lait, pareil, il me faut des bouteilles vides. Donc en fait, la fabrication des bouteilles va devenir vraiment god tier. Et nécessaire à avancer pour le jeu. Il me faut du bois. Et j'ai pas de bois brûlé parce que j'ai pas pensé à tout mettre sur le même. Enfin justement, à ne pas tout mettre sur le même, comme un débile. Donc le miel, c'est 200$ pièce. Il m'en faut deux. De miel, je veux dire, pour pouvoir faire une nouvelle ruche. Enfin, pour pouvoir faire un morceau. Donc il m'en faut 6 pour faire une ruche. Ça prend à peu près une journée à se fabriquer. Il me faudrait 3 ruches pour pouvoir fabriquer une ruche par jour. Et une fois que j'ai atteint 10 ruches, ça me fait 10 de miel par jour, ça me fait 2000$ par jour. Pas sûr que ce soit le plus rentable, mais à la rigueur, c'est pas trop embêtant. Ah, et même là, c'est long, quoi. Oh, mon dieu. Le bois brûlé, c'est peut-être le plus cancer dans le jeu. Ok. Par contre, le cuir, au final, c'est des ressources qui se font très bien aussi. Si on compte le cuir plus les œufs, mine de rien, ça se vend bien. Et le lait en comme ça, 50. Et les bouteilles d'eau, ça coûte quoi? De la résine, du Chatterton et du bois brûlé. Ouais, bah, et tout coûte du bois brûlé, quoi. Résine, Chatterton et bois brûlé. Oh, c'est pas non plus si horrible que ça à fabriquer, quoi. Ah, j'ai récupéré mon seau. Je peux poser les pommes. Je peux poser les 3 bidons d'huile. Eh, mine de rien, comme ça, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas si mal à faire. J'ai un repas 2, ça coûte 70. Parce que ça me coûte un comme ça, donc 43$ pour 1,70, c'est bien. C'est très bien, je récupère pas les bouteilles d'eau tant que j'ai pas utilisé le lait. Et ça, c'est peut-être ce qui m'embête le plus. Le café, c'est cool aussi, 225$, les pommes, non. En fait, les choses m'y rapportent plutôt de la thune. Tout rapporte plus ou moins de la thune. Passe à la question. La question, c'est est-ce que ce que ça rapporte, pour ce que ça utilise, on va dire, en durée, c'est le plus worth it. De ce que j'ai lu sur le Discord du jeu, dans la méta, le plus worth it, ça reste quand même le... Alors, pas depuis la dernière mise à jour, ça je sais pas. Et pendant très longtemps, ils me bassinaient tous avec leur histoire de « Oui, faut que tu fasses de la fraise. » Donc là, de la fraise, j'en ai un peu qui pousse. J'ai surtout du poivre. Ne me demandez pas pourquoi j'ai autant de poivre, mais j'ai surtout du poivre. La fraise, elle met un peu de temps. Et apparemment, les sorbets de fraise, c'est ce qui vend le mieux. Enfin, c'est ce qui vend le plus cher. Mais ça me coûte des bouteilles d'eau aussi.
Alors ça, je les récupère, je crois, les bouteilles d'eau là-dessus. Mais c'est un peu gâchis, non? Regardez, là, j'ai rien. Si je regarde ici, 2 500 $, c'est bien, mais... pas avec ça que je me fais de l'argent, moi. Ça vaut un petit peu. On va se mettre comme ça, peut-être que ça se vend mieux. Est-ce qu'il faut que je fasse une boutique par type de ressources? Peut-être, hein? Je sais pas. Oui, j'ai plus de minerai à poser. Et donc, je peux refaire mon vélo. Oh, et cette fois, il apparaît directement dans le garage. Pas fait gaffe la dernière fois que c'était le cas aussi. Les minerais, le cuivre, la silice, l'argent et l'or. Donc, on met l'argent. On met rien parce qu'il n'y a plus de... il y a déjà plus de bois. Putain, le mec, il en déche de bois toutes les 1 seconde, quoi. C'est pas grave. Si je suis en déche de bois, je vais avoir plein de place. Donc, comme je n'ai pas encore eu la réponse pour l'instant, vu que la vidéo n'est même pas encore sortie, la vidéo n'est même pas encore prête. Quelle honte! Je suis honteux et ça me rapportera assez de thunes pour acheter de nouveaux bateaux. Mais c'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est que je vais vider mon inventaire, comme vous pouvez le voir, de façon très réaliste. Hop, la corde, je dois pouvoir la poser ici. Toi, je peux te poser là. Et nous allons, ma foi, partir vers de nouvelles aventures après avoir récolté, par contre, toutes les graines que je vois qui sont en train de briller. Par contre, c'est pareil, je sais pas si le déplaçage des bâtiments, ça va concerner aussi les récoltes. Il n'y a absolument rien qui me permet de le dire pour l'instant. Hein. Par contre, j'ai l'impression que ça a été boosté, la quantité de bouffe qu'on récupère par truc. Il m'en manque combien? 3. Enfin, ce bruit, il est terrifiant d'abeilles. J'ai la phobie des abeilles, donc rien que de l'entendre, je me dis, oula, oula, elles vont me piquer. Elles vont me piquer les méchantes abeilles. J'ai l'impression que c'est un peu plus rentable qu'avant, lui. Je trouvais pas que ça donnait autant de trucs dès que ça tombait. Je sais pas, je me trompe peut-être. Alors, du jus de fraise. Donc le jus de fraise me rend les bouteilles d'eau. Donc c'est pour ça que c'était plus rentable que le lait. On va prendre de la bouffe avec nous, on va prendre du café avec nous et on va garder de l'eau avec nous. Non, on va pas prendre de bouffe parce qu'il y a toujours les pommes en général sur la route. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour m'améliorer? Nous avons l'armure d'explorateur. Donc c'est celle-ci. Une armure légère. Je sais pas. Je ne sais pas, c'est ça le souci, c'est que l'armure de combattant, l'armure en cuir c'était la première, l'armure de combattant la deuxième, celle-là c'est la troisième. Donc soit je fais celle-là avec du cuir de troll foncé, il m'en faudrait 4, soit du cuir de troll vert. Après techniquement je pense que c'est celle-là quand même la plus badass. Donc ce n'est pas grave, on va aller poser notre petite récolte. D'ici à ce qu'on revienne, on va faire une petite sieste quand même. Top. Très bien, le lait ça se périme et je peux pas le poser parce que j'ai nulle part où le poser. Donc on va prendre le café, on pose le lait. On dort 4 heures, peut-être encore 2 heures de plus, ça serait bien. Et je me dis qu'en dormant tout ça, ça va me suffire pour être full forme avant de partir. Très bien. Les bouteilles d'eau, on va boire un petit peu aussi. Bon après je pars pas non plus indéfiniment donc ça devrait bien se faire. Je prends le vélo. Par contre j'ai plus de vie. C'est l'inconvénient, c'est comme je fais plus de vrais repas. Enfin j'en fabrique plus. J'ai que les repas un peu pourraves là. Les œufs. Ça se vend pour de la thune, par contre ça me permet pas de récupérer ma vie. J'ai 450 de vie, c'est très bien. J'ai une bouteille d'eau vide, c'est très bien aussi. Si vous vouliez acheter des choses, c'était peut-être sur les 3 derniers jours. Hein. Maintenant, tant pis pour vous. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. On se croirait à Argelès-sur-Mer. Les gens, ils se marchent dessus sur la plage. Pas la Vasselay Flow ici ou quoi?
Vous êtes sur une île. Regarde, regarde. Tu débarques de ce bateau, tu tombes sur cette île. Est-ce que vraiment tu restes? Faites pas genre. Je resterai pas. Les amis, je crois qu'on a oublié de prendre de l'essence. C'est bon, on a notre carburant. On refait un petit plein. Par contre, je suis en train de me dire... Je vais peut-être aller au Marais d'Or. Je pourrais aller en faire d'autres. Tout est prêt. Œil de golem. Falaise de sable. Vallée verte. Vallée verte, j'ai pas du tout assez pour y aller. Donc on va aller là. On va aller à œil de golem. Non, bah non. Je vais me faire buter. Je vais me faire buter, donc je vais aller ici. Je vais aller ici. Je sais qu'il y a des trolls ici au Marais d'Or. En plus, ça va me permettre de récupérer un petit stock de graisse. Regardez-moi ça. Un peu de graisse. Voilà. C'est ici qu'il y a la graisse. On est content. J'ai l'impression que l'ambiance est un petit peu retra... Oh, un petit coffre. Qu'est-ce que c'est? Ouh, du minerai de silice. J'ai jamais vu ce coffre. J'ai l'impression que l'ambiance est un petit peu retravaillée. C'est ce que j'essayais de dire au début. Ça ressemblait... Ça ressemblait à ça. Enfin, je veux dire au niveau du... de la typologie de terrain, oui, mais... J'ai pas l'impression que c'était à ce point-là, quand même. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de brume qu'avant. Par contre, j'ai l'impression de pas croiser le moindre troll. Ah, plus bas. Qu'est-ce que tu nous donnes, toi? Cuir de troll fin. D'accord, tu sers à rien. Donc j'ai gâché mon allée ici. J'ai gâché mon carburant. Par contre, c'est pas grave parce que je crois que maintenant, avec le recalcul de carburant, j'ai plus spécialement le besoin. Ah. Peut-être pas besoin de re-rentrer. Peut-être pas. Alors, est-ce qu'il y a un autre troll dans le coin, messieurs? Messieurs les trolls. Faites-vous violence un petit peu. Dites-moi où vous êtes. N'ayez pas peur, je suis là pour vous tuer. Pardon, n'ayez pas peur, je suis là pour vous aider. Ouh, lui, il a l'air de faire un peu plus mal. Cœur de troll fin et des pièces. Mais c'est pourri, ça. Vous voulez que je fasse quoi, moi, avec vos trucs? Oh, les arbres aussi donnent de la graisse. Ah oui, c'est vrai. Je m'en étais déjà rendu compte la dernière fois, et en plus, ils en donnent 9. Après, c'est vrai que si je voulais être tranquille, hein, je fais la blinde de café, je détruis toute l'île et puis je rentre seulement à ce moment-là à la maison. Hein. Donc ces trolls ne sont pas assez haut niveau, je pense, pour qu'on puisse se faire du meilleur équipement. J'ai combien de graisse maintenant? 162? Oui, c'est rentabilisé. C'était ma problématique, est-ce que j'ai rentabilisé mon voyage? Au cas où il me donne rien. Ouh, un autre coffre. Oh, il est bien caché en plus celui-là. Éclat bleu. Ah! Je crois que les coffres sont aléatoires. Oh, lui était niveau 2. Cœur de troll fin et de l'éclat bleu aussi. C'est pas la Master Sword là qui demande de l'éclat bleu? Je crois. Hein. Je crois bien. En fait, si je passe devant des trucs, ne m'en voulez pas. C'est juste que moi je regarde par la minimap. La minimap me permet de me dire où je suis. Il me permet de me dire si je dois croiser un troll dans le coin ou pas. Donc je regarde pas vraiment la vraie carte. Ah, un autre troll. Mais il nous donnera pareil, j'imagine. Hein? Ah, tu vas me donner pareil. Tu vas me donner l'intéressant. Cœur de troll fin, super. Bon. Ça a été worth it en fibre, en résine, en graisse, en tout ce que vous voulez. En éclat bleu aussi, mais je crois qu'il va m'en manquer un. Donc c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. Tip, 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 tip. On repart. Est-ce qu'on peut aller directement... Ouh, on peut aller directement ici. Aux falaises escarpées. Deux îles d'un coup. Si, je pense pas qu'il y ait vraiment... Ah, c'était pas là que je voulais aller. Ah, je me suis gouré. Oui, toi, t'as que des crabes, toi. Ah non, je me suis trompé d'île. Oh, le boulet.
C'était celle au sanglier parce que je sais qu'il y a des trolls et je crois qu'eux ils donnent des trolls, des cures de trolls verts. Ah non, mais là j'ai été nul là. Ça sert à rien que je sois ici. Non, ici il y a le coffre que j'ai toujours pas ouvert, mais j'ai pas le niveau d'exploration. Pour pouvoir faire le passe-partout. Ah, il y a de la résine, c'est bien. Enfin, il y a de la graisse. Je vais peut-être récupérer déjà un petit peu beaucoup de graisse. Ça donne des cerises, ça, normalement. Oui. Donne-moi des cerises. 8 cerises avec 8 pommes. Ça me permettrait de faire... De passer niveau 3, je pense. On se met un peu plus loin. Et on tape l'arbre tranquillement. Nickel. J'ai 5 pommes. 7 pommes. Je vais même pouvoir en manger un petit peu. Il va falloir que je répare mon bateau. Parce que là, le bateau, il a pris cher. Avec les 8 allers-retours en même temps, là, il a pris un peu cher. On a fait 2 îles. J'étais trop fier. Je me suis dit, wow. Limite, ça va être le titre. 2 îles, un coup. Et en fait, ça ne servit à rien parce que c'était pas la bonne. Voilà, 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 voilà. Et si j'avais fait ma tente de campement, j'aurais peut-être pu faire des choses. D'accord. Alors, est-ce qu'il reste à vie? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est... Rah, purée, pas grand-chose. Hein. J'arrive pas à comprendre si ces tentes-là, parce que c'est écrit, ne s'usent pas avec le temps. Alors, est-ce que si je les fais une seule fois, j'ai plus besoin de les refaire derrière de toute ma partie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça où je suis pas sûr. Après, c'est qu'un petit détail. On est toujours qu'à la première année. Par contre, on est sur la dernière partie de l'été. Et c'est là où il va falloir faire des stocks. Parce que tout l'hiver, les plantes ne poussent pas. Donc on va récupérer beaucoup de fumier. Par contre, on pourra pas planter. C'est un petit peu un inconvénient quand même. Je serais d'accord. Toi, très bien. Merci pour rien. Oh, je peux faire des smoothies. Ouh, avec du sucre, des pommes et de la cerise. Oui. Qu'est-ce qui va me manquer? Du sucre. Oh, mais j'ai jamais pensé à ça en plus. C'est vrai que celui-là, il se fait. Il se fait même plutôt facilement. Du sucre. Merci. Merci de penser pour moi, messieurs, dames. 4. On va voir combien ça nous rapporte ou combien ça nous coûte en fonction. J'ai récupéré beaucoup de blé, je vais pouvoir finir mon niveau. Enfin ma hauteur en tout cas. Allez, très bien la récolte. Merci. Récupérer toutes les petites bouteilles d'eau. On est très bien, on va poser ce qu'on peut, ce qu'on veut aussi. Ah, je vais pouvoir regarder ça, combien ça coûte. Le miel, c'est pas ici. Le silice non plus, ça je peux garder. On va juste poser... C'était où? C'était là. Le dernier. Ça a toujours pas fini de faire les bûches. Je suis mort. 8 ans après, je suis toujours là en train de faire des bûches. Par contre, est-ce que ça... J'ai peur que ça pourrisse là-dedans, mais ça a pas l'air. Ça n'a pas l'air de pourrir. Par contre, il va falloir que je me concentre sur la vente, peut-être. Quelques pourcents. Quelques pourcents, c'est pas grave. Pile poil le temps. J'ai pas besoin de dormir. J'ai du café. Je ne dormirai pas. Ok? Ok? Puisque je vous dis que je vais pas dormir. Ouais, purée, j'aurais pu faire des... Ah oui, j'ai perdu. J'ai perdu ce que je voulais faire à la base et je me suis fourvoyé. Je montrerai pas de niveau. Qu'est-ce que je voulais poser dedans? Un truc que je me suis dit, il faut que je pose le miel. Le miel et les abeilles, c'est important. Ça, c'était toi qu'on voulait regarder, à quoi t'allais servir. Éclat bleu, éclat bleu, éclat rouge, éclat bleu. Ouh, mais j'ai pas de pierre antique, dommage. Mais j'ai les éclats bleus. Mais t'as pas la pierre antique. Mais j'ai les éclats bleus, j'ai dit.
J'ai dit. Très bien, ça je pose là. Encore un peu de bois. On va utiliser tout le bois pour faire du bois brûlé aussi. Et normalement, là, ça c'est fini par contre. Oui, ça c'est fini. Plus 4, et ça me donne de l'artisanat. Super, c'était pas... 100 ? J'ai lu 100 là. On est d'accord. Et le smoothie, c'est combien les fraises là ? 100 aussi, ouais, bon d'accord. L'un vaut pas plus que l'autre. Donc les deux sont plutôt au même niveau pour moi. La ruche, 4 morceaux de ruche, je dois les avoir plus ou moins à droite ou à gauche. Ça c'est bon, j'ai du cuir mais les gens n'achètent pas. Il va me falloir me concentrer peut-être là-dessus. On va te remettre en 6. Parce que je vais avoir besoin de faire un peu d'huile. Mes deux inventaires sont occupés. Il va me falloir me faire beaucoup plus de bouteilles d'eau pour pouvoir me faire beaucoup plus d'huile. Pour pouvoir me faire beaucoup plus de bidons. Bidons d'essence et peut-être de réparation aussi. Me faire 3 bidons. Ouais. Donc, dès que ça c'est fini, je vais me concentrer sur les bouteilles d'eau. Ensuite, on fera des bidons d'essence, des stocks de réparation. Et on ira vadrouiller sur les îles. C'est décidé. On a pris le choix. Vadrouiller sur les îles, c'est la bonne idée. L'huile, on va bientôt plus en avoir. Oh, si, on va continuer à en avoir besoin. Par contre, j'ai pas de graisse. Et c'était quoi que je voulais faire qui me demandait du. Ou que je pouvais. Où j'avais tout? Les crêpes? Ouais, c'était les crêpes. Il me faut des œufs, de la farine j'en ai. De l'huile, je peux en fabriquer. Ah non, c'est dans un. Ah, c'est encore dans deux niveaux en fait. D'accord, oui, donc je m'enflamme là. Littéralement, je m'enflamme pour rien. Après, je pourrais multiplier le nombre de poules. Peut-être aussi. Plein de choses à faire encore. On a vraiment énormément de choses. Se concentrer sur la vente pour pouvoir avoir l'autre bateau, pour pouvoir faire plus de transport peut-être d'un coup. En même temps, comme ça se stack tout ce qui va être essence, machin, j'aurais peut-être plus besoin. Enfin, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao tout le monde.